Et coucou! Alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Lundi combien? 15 avril, je dirais, à peu près, il me semble, 15 ou 16 avril. Nous avons passé un week-end pas super, super bien. On a été malade, enfin. Lilou, début de semaine, a été malade. Elle a eu, pas une grippe, mais quelque chose qui ressemblait quand même, hein. Avec un peu de fièvre, des courbatures, tout ça, beaucoup de toux. Et puis, voilà, ça a été mon tour jeudi à pas me sentir bien. Vendredi, une journée vraiment affreuse, avec de la fièvre, des courbatures, tout ça. Là, j'ai passé une très mauvaise nuit encore, 2 heures du matin. Je dormais pas parce que je continuais de tousser. Donc, j'ai essayé ce matin de faire un maquillage un petit peu plus chargé, histoire de me redonner un petit peu. Des couleurs au visage parce que même moi, lorsque je me regarde, là, je prends peur, on voit que je suis malade. Donc, je me suis dit, pour de la vidéo, essaie d'être un petit peu plus contrasté. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Regardez le ciel. Il fait vraiment, vraiment pas beau chez nous, dans la Loire, enfin, dans la plaine du Forêt. Il fait pas beau, il fait froid, nous avons 7 degrés. Bon, en même temps, nous sommes que mi-avril, donc mieux vaut maintenant que plus tard. Par contre, moi, je préférerais la pluie à ces temps gris où il ne fait rien, mais bon, après, on ne décide pas du temps. Donc, je vous ai filmé mon petit maquillage que j'ai un petit peu plus chargé, voyez. Alors, j'aime beaucoup, je suis partie sur un kaki fumé, un petit peu là, un vert, avec souligné par un petit peu plus de noir autour de mes yeux. Ça me donne un petit peu plus de contraste lorsque je suis malade. C'est plus agréable pour vous à regarder. Vendredi, sur mon retour de course, j'ai regardé la tête que j'avais, mais je me suis dit, Laetitia, mais. Comment t'as posté ça, quoi? J'étais, rouge, cernée, enfin, c'était affreuse. J'étais au naturel, hein. Vous savez que moi, j'ai aucun souci avec ça, à montrer sans rien du tout. Donc, voilà, hein. Après tout, c'est ça aussi, la vraie moi. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer ma tenue parce qu'elle est trop, 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 trop mimi. C'est une petite blouse que j'ai achetée, regardez. Sur Chine, regardez un petit peu les détails avec un col qui monte là, une dentelle un petit peu style ancienne, magnifique. Regardez, petite manche trois quarts qui ne sert absolument pas. J'ai mis ça comme d'hab avec un leggings, hein, enfin un jeggings. Vous savez que moi je suis très très adepte des pantalons en jean avec de l'élastane. Je trouve ça hyper confortable. Donc, honnêtement, je mettrais ça et des survêtements, mais tout le temps, si je m'écoutais. Après, je sais que Barbu, des fois, il râle un peu. Il me dit, non, mais Laetitia, sors de ton survêtement. Donc, voilà, je me dis qu'il faut pas que je me laisse aller. Hein. C'est pas parce que je suis blessée à l'heure actuelle et que je ne peux plus aller travailler qu'il faut que je néglige un petit peu mon apparence. Mais c'est vrai que quand on a des difficultés à marcher, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai de grosses, grosses lésions sur cette cheville droite. Donc, malgré la kiné, j'ai comment dire? Oui, on peut dire que j'ai des progrès, mais j'ai très, très hâte d'être lundi prochain pour l'infiltration, en espérant honnêtement que ça va atténuer les douleurs et que du coup, je vais pouvoir travailler beaucoup plus cette cheville. Honnêtement, là, j'ai même arrêté la kinésie parce que ça fait déjà 10 jours, parce que les séances étaient productives, mais intenables en termes de douleur après coup. Donc, j'ai les chats là-bas. Je sais pas si vous allez pas les voir. J'en ai un en haut, en bas. Ils font les vilains, hein, Raja? Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Je sais pas ce qu'il fait. Il gratte, enfin voilà. Donc, j'ai Cocotte qui est ici, regardez, hop, petite Cocotte. Voilà, dès qu'elle entend le son de ma voix, faut qu'elle vienne, elle est trop trop mignonne. Enfin voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir retourner un petit peu au jardin, on avait commencé, on a tout arrêté.
Donc voilà pour ce lundi, nous n'avons rien de spécial à faire. À partir de demain, c'est beaucoup plus chargé. J'espère que Lilou, en termes de souffle, ça va aller parce qu'elle a tournoi de basket jeudi sur des équipes U15 filles. Demain, elle a stage de basket pendant 3 heures, il me semble, parce que l'année prochaine, elle va monter en U18. Donc c'est pour voir un petit peu la nouvelle équipe, ce qu'elle va donner. Donc voilà, donc bon et ben il faut qu'elle retrouve son souffle. En tout cas, j'espère qu'elle ça va aller parce que quand elle joue au basket et qu'elle a pris froid, c'est terrible. Ça, elle a plus de souffle, elle tousse énormément. Donc voilà. Bon et bien Barbu est à la maison aujourd'hui. Il s'occupe du repas. Je vous montrerai ce qu'il nous a fait. Rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, et puis je vous reprends un peu plus tard, à mon avis, dans la semaine. Je vous embrasse. Thank you.
Et coucou, alors nous sommes partis pour aller récupérer un drive. Nous sommes mardi, il est 16h. Première fois que je fais ça. Et je ne suis pas adepte de ça d'habitude, mais on est un petit peu à la course cette semaine. Donc je me suis dit, allez, après la scanette, le drive. Donc je vous fais un retour de course après pour vous dire, j'ai pris un petit peu dans toutes les catégories, notamment en frais. Et en surgelé, en frais, fruits et légumes, c'est après le drive, Stéphane. Et il y a Barbu qui m'accompagne. Alors, nous arrivons. Allez, ça y est, drive retiré. Eh bien, écoutez, ça prend 5 minutes chrono. Par contre, comme c'était le premier, ma carte Leclerc n'était pas reconnue. Bon, alors après, le petit bémol sur le drive, moi je trouve, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur. J'ai essayé de demander à la jeune fille qui est venue m'amener mes courses, mais elle connaissait pas en fait. Hein. Je pense que c'était un job étudiant et elle connaissait pas le fonctionnement. Donc voilà, un petit peu un manque de communication parce que du coup, je ne sais pas si la prochaine fois que j'en ferai un, ma carte Leclerc va être reconnue ou pas. Donc, mais par contre, c'est sympa parce que tout est sélectionné dans des casiers, l'alimentaire, le sec, enfin l'épicerie, les produits ménagers, le frais, tout est bien séparé et puis on n'a plus qu'à mettre dans des sacs et ça prend vraiment 5 minutes. Donc, du temps de gagner sur certains produits. Après, il manque du choix. Mais tout ne peut pas être parfait. Donc, dès que j'arrive, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris sur ce drive. Hello! Alors, nous voilà arrivés à la maison. Donc, je vous ai expliqué. C'est la première fois que je faisais un drive au Leclerc. Donc, il y a du plus et il y a du moins. Le moins, c'est que lorsque vous arrivez et que c'est la toute première fois que vous faites un drive, eh bien, il n'y a pas d'interlocuteur. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Les bornes sont plus ou moins illisibles par des saletés qui se glissent entre l'écran et la vitre de protection. Donc, ça, c'est plutôt le moins. Il n'y a pas de sonnette pour appeler quelqu'un, ni rien du tout. Il a fallu que je m'approche sans pouvoir entrer dans le hangar, parce que c'est normal, hein, c'est interdit au public. Donc ça, c'est plutôt le moins. Après, c'est ultra rapide. En 2 heures, vous l'avez disponible. Je crois que même au bout d'1 heure et quart, j'ai eu le petit SMS pour me dire votre commande est prête. Tout est compartimenté, l'épicerie sèche, le surgelé, le frais, les produits d'entretien. Tout est compartimenté et vous n'avez plus qu'à mettre dans vos sacs. La personne derrière vous aide. Donc c'est super. Alors j'en ai eu pour 130 euros. Je vais voir si je fais des économies grâce au drive, si je suis moins influencée parce que sur le site, effectivement, il n'y a pas tous les produits qu'on retrouve en magasin. Donc on se limite forcément. Donc j'en ai eu pour 130 euros. Alors j'ai acheté 2 bouchées à la reine. Alors, je vous explique aussi, j'ai pris un petit peu de tout, même des fruits et légumes, parce que très souvent j'avais des retours négatifs de personnes autour de moi qui me disaient les DLC sont courtes sur les yaourts, les fruits et les légumes sont plus ou moins abîmés. Donc, ils ont une charte qui est affichée lorsque vous arrivez au drive, pas un 4 par 3, mais un très très grand panneau. Donc, je vais voir si j'ai des choses à redire, s'ils m'ont oublié des choses ou pas. Donc 130 euros. J'ai acheté de la viande de bœuf hachée parce que nous avons de la chair à saucisse, c'est pour faire une bolo ou quelque chose comme ça. J'ai acheté de la ricotta, un petit fromage de chèvre frais. Alors j'avouerai que nous, on a tout mélangé, hein. Steph, on aurait dû compartimenter les produits, ça aurait été plus simple. Donc ça va arriver pêle-mêle, hein, les produits. Le produit pour les toilettes, j'ai racheté une lessive. Alors l'avantage en faisant un drive, j'ai remarqué qu'on peut regarder un petit peu plus les prix au kilo, au litre, tout ça.
on a plus le temps en fait qu'en magasin. Des dinosaures pour Lilou. J'ai racheté un miel, mais squeeze, parce que nous en avons un en pot et on en met absolument partout dans le placard. Donc j'en ai racheté un qui se squeeze. Des petites friandises pour les bibis. Ça, par exemple, il n'y a pas le choix. Sur les timbales de gourmet, il n'y avait qu'une seule variété, alors qu'en magasin, il y en a deux. Mais bon, c'est déjà bien. Donc voilà, j'ai racheté un pot de Nutella pour Lilou. Des compotes. Ah, regardez qui arrive. Regardez qui arrive. Chatatouille. Une badoie pamplemousse. J'en ai pris deux bouteilles. Voilà. Gold, t'es pénible, hein? Tu te mets au fond. Des petites sucrines. Alors, j'ai pris des fraises pour voir un petit peu leur aspect. Écoutez, elles me semblent plutôt arriver en très bon état. Pas de moisissure, pas écrasées. Donc, je suis plutôt contente. On a repris du papier toilette. Alors, celui-ci était moins cher, alors que c'est écrit écologique, hein, moins cher que la marque Repère Lambda. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'ai racheté une brioche tressée. J'ai racheté un pain bio, la boulangère tartine quinoa et graines. D'habitude, je ne prends pas celui-ci, mais sur le drive, il n'y était pas, le pain de campagne. Donc celui-ci était un peu plus cher, tant pis, hein. On fait comme on peut parfois. Un petit shampoing eau de coco, le petit Marseillais. Un paquet de pain de mie sans croûte parce que mes filles détestent la croûte. Regardez comme il est beau, il est là avec moi. Bonjour Gold. Bonjour. Il veut pas de bisous. Un deuxième paquet de compotes. Un paquet de croquettes pour les bibis. Du sucre vanillé. Un paquet de macaroni, un paquet de nouilles, les confitures pour qui? Pour qui? Pour toi. Non, pour qui Barbu? Barbu. Ah voilà, c'est pour Barbu. Je t'ai pris Mirabelle Intense Super. et je t'ai pris fruits rouges. Cool. Voilà, c'est lui le mangeur de confitures. Voilà. Et dernier paquet. Une petite mozzarella. Ouh là là. Ah, Gold, tu me gênes un peu, hein? Il ne tient pas droit celui-ci. Alors, ils vous mettent des papiers Kraft, c'est ça Stéphane? Pour le surgelé? Oui, c'est ça. Votre surgelé arrive comme ça en fait. Oh là là. De frais le surgelé. En voilà un. Et en voilà un autre. Voilà. Donc ça, c'est bien à savoir, hein, que ils vous mettent tout ça dans des papiers Kraft. Donc j'ai acheté un fish and chips. Hein, ça changera, Steph, qu'est-ce que t'en penses? J'ai acheté des épinards et des paniers fromage de chèvre pour la VG, hein. Je te laisse tout ça là-dedans. Et dernier paquet, des cordons bleus pour la VG. Le quinoa, le steak de quinoa gourmand poivre et persil. Des os de cuisse de poulet. Des filets de poulet. Un fromage, une brique de brebis, un fromage type la crème, voilà. Encore pour la VG, un carré gourmand tomate et mozzarella. Les quenelles, que Lana adore. Du comté. Je trouve que pour 130 euros, là, c'est pas mal, hein, C'est pas Stéphane? mal, c'est pas Hein? mal.
Il y a beaucoup de choses quand même, hein. Regarde, il y a de la viande, du fromage, des produits d'entretien. La lessive, c'est cher la lessive. Tout à fait, oui. J'ai acheté des crèmes dessert Bigou, là, vanille, vanille chocolat. J'ai pris des riz au lait à la vanille. Des hachets de Colin, j'en ai repris parce qu'on les avait bien aimés l'autre jour. Voilà, regarde, il y a quand même des choses hein, pour 130 euros ce coup-ci. Parce que l'autre jour, 80 euros le retour de course, vous avez vu, j'étais pas très contente. Hein. Hop. Et un gros paquet de yaourts sucrés. Voilà, il y en a 16. Donc tout ça pour 130 euros, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Hein, fais un petit tour là, regarde. Je trouve que c'est pas mal, on a du surgelé, du frais. Il y a aussi là-bas des bananes que je ne vous ai pas montrées. Mais voilà, donc je trouve que c'est quand même plutôt bien. Et bien sur ce, je vous laisse. À bientôt, à plus tard dans la semaine. Donc j'ai rajouté mon œuf, mes 120 g de cassonade, mes 5 g de sel et 150 g de beurre. Je vais rajouter 100 g de pépites de chocolat noir. On peut rajouter 30 g de poudre d'amande. Moi, je ne vais pas le faire sur cette recette. Et 200 g de farine. Donc, j'ai rajouté mes 250 g de farine, mes 100 g de pépites de chocolat. Et maintenant, vous remuez jusqu'à obtention d'une boule. Voilà la consistance de la pâte. Là, je vais la mettre au froid pour pouvoir mieux la mouler dans les petits moules. Et après, je vous montrerai comment je fais pour faire les petites cups. Alors là, Barbu, il est en train de nous pocher les cups cookies que nous avons fait aujourd'hui. Si la recette vous intéresse, je pourrais vous la mettre. Après, vos cup cookies, vous les remplissez avec ce que vous voulez. Là, les filles, bien sûr, elles veulent du Nutella. Mais vous pouvez mettre du caramel beurre salé, plein d'autres choses. Oui, de la pâte de spéculoos, plein de choses.
j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes dimanche matin. On a eu une soirée super agréable. Je vous ai dit que nous étions sortis hier. On a fait un bowling et puis ensuite, nous sommes allés manger dans un restaurant qui s'appelle la Brasserie Gourmand. Des gourmands, quelque chose comme ça. Et nous étions 19 entre les parents et les filles de l'équipe. Bref, c'était vraiment super, super sympa. Là, je suis un petit peu claquée. On est rentré un peu tard. On s'est couché un peu tard. Hein, voilà. En tout cas, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous allez bien profiter de votre dimanche. Surtout, surtout, prenez soin de vous. À bientôt !